Though my pockets are truly empty, but I don't care, cause soon the sun is on my way, and the wind is blowing me away. It's a new day and it's starting to laugh, so let me ride, cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. I'm on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way. C'était te remercier pour ton dynamisme. Là, tu nous as emmené dans quelque chose d'important. J'en frissonne encore. Donc, vraiment splendide. Merci de ce que tu as fait ce matin. Alors, la première question que moi je voulais te poser, qui vient d'un de nos collaborateurs, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu es sur le pont et que tu as ton sac à dos? Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu sautes pas? Dans le clip? Dans le clip. Eh bien, je peux pas répondre directement. Il faut que j'aisse un peu de mystère. Mais il faut faire minimum 200, voire 300 sauts en parachute d'avion, je pense, pour arriver à faire du base jump. Ah voilà, donc c'est du base jump, voilà. Il fallait une grande expérience pour pouvoir se lancer, parce que tu as voilà. certaines des personnes qui sont avec toi sautent. Oui, oui, ils sont des funambules, ouais, on les appelle les funambules, mais non, je pense qu'il est dans le top 5 mondial, donc je l'ai laissé le faire, il allait le faire bien. Lui, il maîtrise, voilà, ouais. Tu maîtrises d'autres choses. Voilà, je suis plus doué à la guitare à mon avis. Voilà, effectivement. Mais tant qu'on parle de guitare, tu as appris quand, comment la guitare? J'ai appris vers 15-16 ans sur Internet. En fait, j'ai voulu apprendre la guitare. Je faisais partie des mouvements de jeunesse et je voyais tout le monde avec une guitare. Je me suis dit, bon, bah, moi aussi, j'ai vraiment envie de jouer et j'ai appris avec Internet, autodidacte. Ok, mais le niveau que tu as aujourd'hui n'est pas un niveau que tu as eu uniquement par Internet. Il y a autre chose derrière. Il y a des rencontres avec des musiciens aussi. Il y a vraiment de tout. Moi, j'ai jamais pris de cours à part quand j'étais vraiment
plus petite, mais c'était plus de l'arpège et du solfège. Voilà, ici, ça a vraiment démarré en mode autodidacte, j'ai envie de dire. Superbe, quel résultat. Et voilà, après, on rencontre des gens qui sont dans la musique, on a des remarques, on s'aide les uns les autres. Au niveau du chant, par contre, des cours ou de nouveau aussi totalement autodidacte, oui. C'est de l'entraînement, enfin, c'est un talent finalement. Ma voix est très grave, donc forcément quand j'étais petite à l'école, les filles avaient une voix beaucoup plus aiguë, donc je n'osais pas chanter avant, et puis des amis m'ont poussé à chanter, et ils m'ont dit, bon bah c'est chouette, continue. Et le résultat vaut le coup en tout cas. Bah, je suis surprise, mais c'est génial. Super, mais justement tant qu'on parle des inspirations, question je pense habituelle, c'est qui t'a inspiré dans la musique ou qui t'inspire pour le moment? Moi j'écoute beaucoup de styles différents, je pense. Je reviens souvent avec ça, mais quand j'avais 15-16 ans, j'apprenais beaucoup les Beatles, Simon & Garfunkel par exemple, voilà. Plus voilà, génération de mes parents. Et puis aujourd'hui, moi j'écoute beaucoup Feist. Voilà, là j'ai encore découvert Boy cet été. C'est deux filles qui font aussi de la guitare et du chant, et c'est incroyable, c'est en train de démarrer pour le moment. Pourquoi tes chansons sont-elles en anglais? Parce que j'ai une culture beaucoup plus anglophone au niveau de... mon écoute musicale, oui, parce que je suis complètement francophone, donc j'ai vraiment appris à l'école et en écoutant des morceaux, en regardant des films en anglais, on peut y arriver chez soi. Ce sont des compositions ou là tu as des compositions d'autres personnes? Non, j'essaye de garder un maximum mes compositions pour l'EP, le préalbum qu'on a sorti en mars dernier. Il y a une chanson qui était à la base pour une publicité qui a été une collaboration en fait. Tout à fait. Donc voilà, mais le reste j'y tiens, j'ai vraiment envie de continuer à écrire et à composer. Poser toutes mes chansons. Ok, dernière question. Tu es étudiante, tu mènes une vie en même temps musicale qui, à mon avis, est chargée. Tu fais comment pour gérer les deux ensemble? Eh bien, j'ai fait le choix de ne plus être étudiante. C'est plus facile. Aïe. J'ai réussi ma deuxième année sur trois, en fait, à l'INRACI. Et voilà, il y avait trop de pression des deux côtés. Je voulais réussir correctement à l'école et en même temps, la musique me demande de plus en plus d'investissement. Voilà, j'ai une vraie équipe derrière moi maintenant, c'est plus juste se débrouiller pour avoir des petits concerts par-ci par-là. J'ai vraiment une super équipe derrière moi et des gens qui s'y investissent. Et voilà, il faut être réaliste, je voulais faire ça bien, donc passionné. J'ai fait un choix. Voilà. Passionné par la chanson, passionné par le groupe et envie de réussir. J'ai très envie de réussir. Allez, super. En tout cas, un tout grand merci. Merci à vous en tout cas. À bientôt. Au revoir. Merci.